Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'écran de Mamouchka. Donc on continue dans les vidéos décoration anniversaire, on va appeler ça, voilà, tout simplement. Déco anniv. Alors, donc j'ai fait avec vous la carte d'anniversaire qui est toujours ici, hein, puisque c'est le 23 juin, donc elle n'est pas partie. Voilà, sur le rose avec les orchidées. J'ai fait en deuxième vidéo, j'ai fait... Enfin, celle-ci, vous la verrez en juin. Les autres, vous les verrez plus tard, vous les verrez en juillet. Donc, pour les décos, j'ai fait en premier des petits chevalets. Avec des toiles. Et la... Comment on appelle ça? C'est juste derrière moi. Voilà. Ceci. Voilà, première vidéo décoration, on va appeler ça comme ça, pour les 80 ans de ma belle-mère. La deuxième vidéo, je ne l'ai pas là, elle est dans la salle, pour ne pas l'abîmer, je l'ai laissée sur mon meuble de salle. C'est un cadre avec des orchidées, toujours dans les mêmes teintes, toujours avec le papier acétate, toujours avec le papier embossé écriture, toujours les orchidées. Et toujours la même couleur. Voilà, comme ça, c'est partout. Tout le monde aura les mêmes couleurs. Il n'y aura pas de chichi. Ensuite, donc là, je vais faire avec vous la grande carte qui va servir à toute la famille pour mettre un petit message. Et ensuite, la dernière, ça sera le comment? Ah mince, pour mettre les serviettes, je sais plus le nom. Bon, j'ai le nom en tête quand je filme pas, il dit que je filme, ça y est, je perds le mot. Bon là j'ai testé avec ceci, ça sera fermé, on mettra une fleur. Voilà. Pour pouvoir mettre une serviette derrière, je sais plus le nom, enfin, je pense que vous avez compris. Allez, là on va sur la carte, donc... Sur la carte, je vais partir sur une grande carte, hein, 29,7 sur 21. On est quand même assez nombreux, donc pour que tout le monde signe. Donc là, je suis dans la carte XXL. je vais rester sur 29,7 ou... Bon, je vais couper à 29, ce sera plus simple. 29 sur 21. Faites si vous voulez, moi, voilà, pour moi ce sera mieux. Alors ensuite, je vais plier en deux, donc 4, ça fait 14 et demi. Donc je la fais avec vous carrément, je sais pas ce que je vais faire, puisque ça sera exactement la même, enfin quelque chose plus en plus grand, à peu près dans les mêmes façons que j'ai fait la petite en carré. Voilà. Donc voilà, ma base. À l'intérieur, je vais peut-être y mettre un feuillet. D'une feuille blanche. Ouais, je vois ça. Alors ensuite, je n'ai plus que ça en acétate. Tout ce que j'ai fait avec. Alors je pense que je vais le garder pour, si j'ai le temps, parce que je vais essayer de refaire un cadre. Je ferai de mon côté, c'est en train de tomber. Donc je vais plutôt me servir de ce papier là. Bon, j'ai un peu plus de... Voilà, je pense. Parce que malheureusement, j'ai pas... Ouais, ça fait trop... Ouais, c'est beaucoup trop grand.
Donc, je pense, ouais, je vais me servir de ça. C'est pareil, ça fera la même chose, ça sera dans les mêmes couleurs. De toute façon. Et hop. Et lui, bah lui, j'ai pas le choix, hein. Ça sera beaucoup plus petit. J'ai pas pensé à ça. Parce que je réfléchis donc on est pour mettre un mousse. Alors c'est pas gênant. Voilà, je sais, voilà, ça y est. Là, je sais rien, c'est un petit écrit. Je l'effacerai. Donc je vais faire comme ceci, je vais faire comme d'habitude. Et lui, je vais faire un peu plus bas. Je vais laisser presque un centimètre autour de façon à ce qu'on voit ce papier là. Et je mettrai, alors ça c'est un exemple d'autre chose, mais je vais refaire une banderole comme ceci, que je mettrai carrément sur le bas de ma carte. Voilà, comme ceci. Je la ferai peut-être en... Hop. Oui, je l'arrondis pour voir. Donc l'idée serait de mettre cette branche. Bon, j'ai fait plein de branches, mais bon, je peux couper après, hein, c'est pas ce qui est le plus gênant. Donc j'y mettrai une grosse orchidée par le haut. Tiens, je vais changer carrément. Et après j'y mettrai des petites. Que ça irait ou dans l'autre sens, parce que comme je l'ai déjà fait dans ce sens là alors du coup ma base a fait donc elle fait 14,5, j'ai dit ah. 14,5 sur 21 principe, ça doit faire, ah oui, j'ai pas coupé du côté 21, voilà c'est ça, 14,5 sur 21. Donc ça c'est ma base, je vais la mettre de côté. Donc là, je passerai un petit coup de chiffon quand ça sera collé dessus. Alors du coup, j'ai dit que ça faisait 14,5. 14,5, je vais couper à... Alors, je vais couper à 13,5. Ça, je rase... Ouais. C'est un papier qui vient de chez Stampin' Up aussi. Je ne sais plus quelle collection c'était. Ah, c'était de janvier à juin. C'était dans la collection. Je regarde, c'était avec les cœurs et tout ça. C'était au début de la collection. Donc 21, donc part sur 20. Voilà. Vous voyez, j'ai mes empreintes. Hein. Voilà. Donc, comme ceci. Là, ça fait ça, on aperçoit bien. Là. Et donc celui-ci, il fait former un lui. Alors. On s'est pas bien coupé là. On part sur 15 sur 14, je vais couper déjà 15 sur 14 pour bien le mettre. C'est un carré, c'est comme si déjà la base c'est un carré, c'est pas simple de... Alors lui je vais le mettre par le haut comme ceci. C'est pour me donner une idée. Alors, hop. Je vais laisser un bon centimètre de chaque côté. Okay. Et elle a fait 13,5. 12,5, 11,5.
Donc, je vous ai bousculé, j'en suis désolée. Alors, ça comme ceci, vous allez me dire, mais la carte, toutes les cartes vont se ressembler. Mais au moins, il y a une cohérence dans quelque chose. Là, elle va ressembler un peu à l'autre, oui, c'est sûr. Mais là, le papier est plus petit, l'autre papier prend tout. Enfin, il y a des petits changements quand même. Donc voilà, ça a donné ceci. Voilà. Alors maintenant, on va coller ces papiers là. Alors là-dessus, je pense que je vais mettre du double face. Sur la colle, j'ai peur qu'on puisse faire des bêtises. Ou alors le... Ouais, Stampin' Snail. Seal. Alors déjà, je connais ma grande page. Donc, voilà, la préparation... Enfin, décoration de l'anniversaire en plusieurs vidéos, ça peut donner des idées, surtout qu'on... Alors, nous avons été coupés, plus de passe sur la batterie, donc j'essaie d'essuyer un peu mes mains sur le papier. Alors, vous voyez ma lumière là-haut, j'ai pas le choix. Non, ça peut pas comme ça. Voilà, comme ça avec la banderole sur le bas. J'ai une idée là. Alors, je vais tenter de coller ça avec ceci. Alors, voilà le début de la carte. Alors ensuite, je vais y mettre la banderole comme ceci, je vais couper. Je le coupe légèrement en biseau comme ça, hop, je le mets dans le coin de la carte. Donc je vais coller ceci par petit bout puisque j'ai pas de découpe pour lui. Je fais la découpe à la main, d'ailleurs ça se voit, hein, c'est pas très propre, pas très régulier. Mais bon. Hein. Alors, je vais mettre. Si ma colle veut bien sortir. Pouf. Alors. Dit que la grande elle allait là-haut, certainement la mettre en 3D légèrement en biais. Ah. Et elle sera sur deux branches parce qu'elle est balèze. Bon, juste voilà, couche cachée comme ça, j'y mettrai peut-être. Arriver, voilà, comme ça, ça sera mieux. Alors les petites, je vais les coller. Voilà. Alors je prends les Dimensional, voilà, c'est les grands et les mini. Alors la grande, hop. C'est un ratage de derrière de. D'encre. Donc, hop. J'ai retourné la feuille, j'ai recommencé de l'autre côté. Voilà.
un petit peu la voilà, comme ceci. Et ceci, je les mets avec les petites. Massicot, une feuille blanche, et donc j'ai dit que ma base faisait, je vais le noter parce que mon dieu, 21 sur 14,5. voilà, donc je vais laisser un petit peu sur les côtés, je pars à 20, je pense quand même qu'il y aura assez de 20 sur 13,5. Là j'ai fait une bêtise, je crois. Ah ben oui, maintenant je suis bête. Hein. Voilà. Il y a dit que je faisais un feuillet. Non, bon ben c'est pas grave. Je vais recouper une feuille de la même grandeur que je collerai des deux côtés parce que on est quand même. Compter ma belle-mère parce qu'elle va pas signer sa carte quand même. On est du coup on sera 18 à signer, donc je voudrais lui mettre une petite déco quand même sur la, mais je peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre de façon à ce que ça prenne pas trop de place. Déjà j'ai trouvé un que je vais mettre à l'arrière. Je vais mettre celui-ci, du fond du cœur et sincère. On va rester dans la même. Je peux en mettre partout. Donc, je prends mon pierre rose poli. Voilà, et je vais en mettre. Je vais la mettre là. Je vais vous montrer ce que je dois être hors caméra. J'en ai une de chaque côté. Une en bas et une en haut. Je pense pas en mettre plus parce que. Voilà. Ah, pour penser aussi. Alors voilà, donc alors on plie un en montagne, l'autre en vallée, en montagne et en vallée, hop, tout simplement, et on fait pareil avec le blanc. Voilà.
Donc je pense que je vais faire comme ceci sur je sais plus quel spot là. Ah oui, c'est sur le tableau là, la présentation de table, la déco de table exactement. J'ai fait l'inverse, j'ai mis le blanc devant, mais là j'ai envie de mettre celui-ci pour voilà. Je trouve que ça fait sympa comme ceci. Là, je vais tamponner le bon anniversaire. Donc, toujours un pierre rose poli. Bon anniversaire, il est là. Après, je vais aller montrer tout ça à monsieur. Et j'attaque la dernière vidéo de déco de cet anniversaire. Avec les supports pour les serviettes de table donc, que j'ai à la maison, donc je vais pouvoir le faire. C'est une sacrée organisation hein, parce que on ne fait pas chez nous, on le fait chez eux, donc j'emmène tout chez moi. Chez eux, c'est du sport, mais bon, faut pas leur faire 3h30 de route. Et vos parents sont quand même très fatigués de leur l'année qui est passée. Des soucis de santé, donc je peux pas leur dire de faire le chemin jusque chez nous. Tant pis, on s'organise hein. La moindre des choses, c'est à nous de nous déplacer. Ah, j'ai perdu mes personnes. Donc ça y est, mes deux petites étiquettes, vous voyez, comme ceci. Et je vais les placer là décidément. Alors, on va y mettre du huit, c'était là, sur. Alors, je ne vais pas refaire la bêtise que j'ai faite hier. Voilà. C'est le cœur des orchidées. Maintenant, on va mettre les petites perles. Alors. Donc, je mets celle-ci. Je vais en mettre. Non, je vais mettre des blanches là. Et je vais en mettre que deux là. Voilà.
Voilà, une carte toute simple. Pas toute simple. Oh, désolé. Voilà, partie de la même chose que celle-ci. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.